Les ultimes coups de pelleteuse ont été donnés. Cet été, les derniers bâtiments ont été démolis dans le quartier de la gare d'Ermont-Aubonne. Depuis maintenant 6 ans, la ZAC prend forme avec bientôt plus de 5 hectares aménagés. Le chantier de la gare, dans sa première phase, vient à sa fin puisque il y a une livraison qui est prévue au mois de novembre des logements de l'îlot 4 avec les commerces. Donc la ZAC prend forme. Chaque commerce a été attribué. Donc ça c'est important. Des commerces de bouche, de proximité. Nous avons limité les commerces de services puisqu'ils ont déjà beaucoup sur le secteur. Place maintenant à la deuxième phase des travaux. Avant la fin du mois débutera la construction de la dernière résidence du secteur. Près de 180 logements devraient être achevés d'ici 2 ans. Enfin, un immeuble consacré au secteur tertiaire sortira de terre. La deuxième phase de travaux, c'est ce qu'on appelle le triangle de Dautry sur Ermont, où il va y avoir un Blue Office, c'est-à-dire un lieu où les gens peuvent venir travailler à la journée, à l'heure, des bureaux partagés. Le permis de construire a été déposé et ça va démarrer, ainsi qu'une pépinière d'entreprise qui, à mon avis, d'ici 3 ans, verra le jour. L'ancien quartier de la gare va laisser place à plus de 800 logements, 4 900 m² de commerce et près de 14 000 m² de bureaux d'ici fin 2017.